Côté dark de l'émission, vous l'aimez bien, hein, avouez. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est dans une preview, la preview de Inmost, un jeu qui est tout en pixel work, où il va falloir pas mal plateformer et résoudre des énigmes, et puis qui se révèle bien sombre malgré lui. Bonne question. Voilà, prévenu. Alors oui, il les porte haut et fort, ces gros pixels Inmost. Et on va voir si c'est intéressant, justement. En tout cas, graphiquement, c'est déjà très joli au démarrage. Je vais juste ramasser le précédent. Pourquoi je passe par là? Parce qu'on se doutait tous que la porte était fermée, verrouillée. D'accord, d'ailleurs l'infiltration parce qu'il faut apparemment échapper au spectre. Fait pour vous rassurer. Le jeu est vraiment marrant parce que c'est du gros pixel de taille certaine. Et je me demande s'il va réellement arriver à faire peur. Apparemment, il en a les moyens. Les menus, si on n'a pas des petites choses pour nous.
Non, on a juste les checkpoints. C'est essentiel. Ok. Alors, je sais pas trop à quoi ça sert ce que je viens de ramasser. Certainement, oui. Je vais te laisser te faire punir. Tu mérites que ça. Non, j'y vais. Je suis un mec trop cool, regarde. Mais j'ai rien fait. Mais je t'ai pas poussé. Oh, Chalimero, quoi. Ok, j'ai une roulade. Oui, je veux cette clé. Mais comment faire-je? Et je ne peux pas monter, je ne peux pas me hisser. Je suis condamné à descendre. Et j'ai pas super envie. Wow. Ça s'appelle un gadin, pas loin. Une pioche. Alors, est-ce que je me tue si je tombe direct là? Moi, je présume que oui, mais j'ai une échelle. Oh, oh la boîte. À quoi va me servir ce truc à monter? Mais ça va me bouffer. Ça va me bouffer. Comment je saute en face? En sautant. Oh, c'est pas mal ça. C'est pas un trésor ça. Et là pareil, il y a un truc qui brille, mais je vais perdre mon temps. Non, vous voulez voir le truc qui brille? Oh là 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 là, quelle erreur. J'aurais dû amener. J'aurais dû amener une toupie pour savoir si je suis dans le vrai ou en train de cauchemarder. Voilà, c'est pas la même vitesse. Ah, puis je peux plus sauter du tout là.
Pas nom de Dieu. Bienvenue dans Vieux Simulateur. C'est quoi qu'il y a à la fenêtre là-bas? Le galure rivé sur le crâne, prêt à sortir. C'est un chat! Oh là là. I was wrong. It's a tale about pain. Let me tell you. Again. Oh, le gros These gros. Lands were dead, destroyed, and devastated. All you could hear was the whisper of the ashes. Then, a stranger came. He held a spark in his hand. The stranger opened his hand, and the spark was set free. Light returned. Yet pain was the price for this light. Screaming filled the air. Time passed. The screaming grew silent. Pain became a familiar friend. Some disappeared from the lands. No one knew whether they had crept away or been taken by pain. Yet many also remained. Castles which once rose into the skies fell into ruins. Time wiped clean any trace. Centuries passed. The people started calling the stranger the Keeper of the Spark. He kept watch over the land, soaking up the pain of its people. But the people had hope. They were growing flowers. Bizarre. Voilà. Mais je suis coincé. Splotch. D'accord. Alors, on va falloir utiliser un petit peu de logique. Pas trop, hein. Si j'avais une pioche, je pourrais piocher. Mais je n'ai pas de pioche. Et je vais me faire babaliter. Bon, ça va, il me laisse une petite seconde. Le tout, c'est de ne pas s'attarder dessus. Alors, ça, comment je passe à travers? Ah, il y a ça, regardez. Squeak. Kaboum. Il reste encore. Hein. Non, et c'est vide. Ah, j'ai ça pour passer. Ah que non! Ah que non! Ah que injustice! Ah que mon courroux! Alors le jeu est vraiment pas mal réussi sur son ambiance. Parce que il est stressant. Malgré que ce soit du gros méchant pixel. Oh papa, le drabigo, il va aller. Faut que je retrouve ma touche pour. Voilà. Raté. Mort. Ce sont des choses qui arrivent. Je veux sortir. Tu dois ouvrir la grille. Bah oui, je veux bien ouvrir les grilles, mais. Vois-tu ces choses-là, là? Elles sont pas très sympas. Gros saleté. Mais oui, je veux bien t'ouvrir la grille, mais... Faut une nouvelle poignée. Je suis désespoir. Je suis... Tristitude. Tristouillage. J'ai trouvé la poignée. Oula.
bien de trouver. Comment je l'ai pris? Mais comment je l'ai pris? Je t'ai regardé bien en face et j'ai fait. C'est ce que tu veux faire? Non. Ne me demandez pas pourquoi je fais ça. Vous ne voulez pas le savoir. Qu'est-ce que je peux faire d'autre avec ce truc? En dessous, il y a quoi déjà? Ça ne me servait à rien ici. Il faudrait que je trouve une flèche pour activer ce truc et récupérer la pioche et beaucoup mieux m'en sortir. Je suis dans une panade noire. Si je faisais tomber le coffre, allez, faisons-le jusqu'au bout. Le coffre ou le cercueil, je sais pas ce que c'est. Et il y a des flèches. Victoire. Oui, une petite victoire pour l'homme, une grosse pour le pixel. C'est pas du tout ce que je visais. Non mais installe-le voilà. Non tu ne veux pas. D'accord. Voilà qui est check. Amuse à la pioche. Oui, elle est à muet. Je veux piocher comme un ouf. Jusqu'à plus envie de piocher. Si ça, c'est pas une bonne nouvelle. Alors, j'ai peur que le jeu me demande d'aller revenir vachement sur mes pas. Mais j'avais rien à piocher ici, je crois. Ça sent le Rick Dangerous. Quoique, s'il y a une bestiole en bas, elle va le sentir passer. Oui, je suis au fond de la mine, je pousse des wagonnets, je casse des cailloux. Que croyez-vous? Elle est là, cette dame. Hop, 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 hop. Ah, je peux plus sauter maintenant. Et ce truc m'a l'air très très piquant. J'ai prévenu. Les gens m'écoutent jamais. Hein. Non, mais pas comme ça. Du coup, c'est qu'il faudrait que je passe. Ça, c'est une super question. Et je pense que cette question, bah, vous aurez tout le loisir de pouvoir y répondre en explorant vous-même Inmost. Ce jeu, tout en pixel work, qui stresse un peu, qui mélange de la plateforme et puis des petits casse-têtes comme ça, bien pervers, qui je pense va pas mal vous balader dans les niveaux, et qui à mon avis porte tout d'une réussite. Du coup, playlist, playlist, bouton d'abonnement, et on se retrouve très bientôt. Moi, je vais continuer d'explorer ce jeu. A plus!